Alors, bien le bonjour aujourd'hui. Ouverture Pokémon Tonnerre perdu. Alors, nous avons deux pyrotechniques, un Lugia, un Celebi. Alors, qu'est-ce que je vais vous ouvrir en premier? Je vais peut-être vous ouvrir le Lugia, parce que c'est ce que j'aime le moins. Après, le pyrotechnique, qu'est-ce que je préfère? C'est le Celebi. On va faire dans cet ordre-là, bien que j'aime les quatre illustrations. Donc, je vous montre les illustrations. Je pense que vous avez tous vu des ouvertures de Tonnerre perdu, donc on va pas perdre de temps plus que ça. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est le cas. Je pète la forme. Donc, j'ai décidé de me faire une petite ouverture Pokémon et de vous faire plaisir dans la même occasion. Donc, un petit code, vous me le demanderez en privé, comme d'hab. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et c'est parti pour cette petite ouverture Pokémon Tonnerre perdu. Nous commençons avec un Malos. Bon bidou. Loupio. Granivol, très sympathique. Un Picasso. Une énergie fée, qui est mon énergie préférée. Sobonne. Je connais pas. Je ne connais pas du tout. Un Electek, qui est très sympa. Un Runsor. Une prisme avec le Xerneas, mais malheureusement je l'ai déjà. Bon. Et en rare, nous avons un Kulbitoké. Kulbitoké. Bon. La prisme, c'est dommage, je l'ai déjà. Mais je vais quand même la protéger. Hop. Et nous avons quand même eu un Kulbitoké. Très intéressant. Enfin, pas mal. Donc le Celebi m'a déjà rapporté une petite prisme. Que va me rapporter Pyrotechnique? Allez, on y va, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Ouvre Sésame, ouvre-toi et apporte-moi une petite GX. Voire une Rainbow, je dirais pas non non plus. Hein. On continue avec un Snubbull. Vorastéri. Érissandre. Vémini. Que je n'aime pas du tout. Apitrini. Très joli. Une énergie psy. Un attrape-perso, amulette féerique, capoeira, très sympa, j'aime bien cette illustration. En reverse, nous avons Floravol, et en rare, Suicunolo. Ah, pas mal. Alors ça, elle me plaît. Alors la petite Suicune, on va la protéger aussi. Alors ça me plaît. Ah ouais. Une prisme, une holo. Maintenant il me faudra une GX et une full art. Et comme ça, je serai aux anges. Ah ouais, bonne petite ouverture. Là, je suis content. En plus, c'est une holo que je n'ai pas, donc ça tombe bien. Car la prisme, malheureusement, je l'ai déjà. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Hop, hop. Et on continue cette petite ouverture avec un Limonde. Germignon. Tout choupi. Miaouss d'Alola qui prend la pause comme ça à la plage. Tranquille, là, un petit parasol. Là, tranquille, ouais, t'es à la plage. Allez, Miaouss, on y va. Miaouss. Tout à fait. Dommage, je dis pas tout à fait. Hein. Franchement, ce Pokémon ne sert à rien. Roudoudou. Une énergie métal. Employé de la fondation Ether. Ouais, bon, bah, c'est les ouvriers quoi, qui travaillent dans cette fondation, quoi, voilà, tout simplement. Un Ferrisson, très joli. Infect. Ouais, alors, ils ont pris le Pokémon, ils l'ont posé comme ça au pied d'un arbre, ils ont fait une claque, une photo, et voilà. Franchement.
Ça casse pas trois pattes à un canard. Un polarum, très joli en reverse. Et en rare, nous avons Oh-Oh. Ah, très joli. Très belle rare. J'aime bien cette illustration. Déjà, Oh-Oh est un oiseau légendaire que j'adore. Et en plus, une illustration comme ça, un peu vieillie, très très belle. Bon, c'est pas mal. On va mettre ça là. Et pour terminer, Celebi, porte-moi une GX, s'il te plaît. Allez, Celebi, fais-moi plaisir avec une petite GX. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop, 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 et on termine cette ouverture avec un denticrisse. Regardez-moi ça. Ambrilex, qui est en train de jouer avec un petit cristal, avec des petits tyrannosifs en sable. Strassi, très joli, j'adore cette, je trouve très jolie cette illustration. Germignon, très mignon, mignon, mignon. Insecateur, très joli, j'adore ce Pokémon, je trouve très joli. Une énergie combat. Électropuissance. Xatu. Macronium. En reverse, nous avons Oléa. Et en rare, nous avons un Charmillon. Ah, très joli. Bon. Bah, une petite rare que je n'ai pas. Voilà. On n'a pas eu de GX. On a eu une holo que je vais vous remontrer. Et une prisme. Bon, Lolo, je suis très content. La prisme, un peu moins parce que je l'ai déjà, bien qu'elle est très, très, très jolie. Alors, moi, bien sûr, je vais vous dire ma préférée, c'est la Suicune. À vous de me dire quelle est votre carte préférée. Même dans les rares, dans les communes, peu communes, vous pouvez me dire aussi celle que vous avez bien aimée. Moi, dans les rares, ça va être Oh-Oh, que je trouve très, très jolie. Voilà. Donc, les amis, on se laisse ici pour cette ouverture de Tonnerre perdu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous aussi vous collectionnez du Pokémon et si vous faites cette série et si ça vous plaît. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo Pokémon. Ciao les amis, ciao ciao ciao.